existe une chanson aux États-Unis qui s'intitule Shame and Scandal. Les Français en ont fait une version qui s'appelle Scandale dans la famille. Et nous, nous en avons fait une autre version qui s'intitule Scandale chez les artistes. Oui, et c'est avec plaisir ce soir que nous allons taper sur le dos de nos petits camarades. Wow! La la! Quel scandale, si le public savait ça! Wow! La la! Denise et puis Dodo vont vous raconter ça. Tu sais, Dominique, que cette année, les jupes sont raccourcies? Ah oui, je sais, je porte les miennes en haut du genou. Oui. Avec des beaux grands bas à carreaux. Ah, ça, c'est pour faire parler French Jarrow. Ben, qu'est? Et tu sais que cette mode n'a pas seulement été suivie par des femmes, elle a aussi été suivie par des hommes. Oui, qui ça? Voyons. Parlons du groupe César et ses Romains. En petites jupes courtes, ils essaient de faire leur chemin. Cette année, les robes se portent en haut du genou. Mais eux, ils s'exagèrent, ils les portent en rase-trou. Wow! La la! Quel scandale, lancer une mode comme ça. Wow! La la! Je vois pas Fernand Gignac avec ce petit soute-là. Oh mon Dieu, moi non plus, il y a les jambes bien trop blanches. Ouais. Les ai vues! Ni Ambroise, la fortune, il sera obligé de faire couper sa soutane à ras. Ben oui, ça y ferait une mini-soutane. Oh! Ni René Lévesque, des petites pattes meg. Ginette Renault, une fille qui sait chanter, c'est reconnue par tout le monde dans le métier. Mais si un jour elle perdait sa belle voix, elle pourrait être bonne sœur au chez Casaloma. Wow! La la! Moi, je vous dis que les gars passeraient par là. Oh, oh, la la. Y'en a pas de comète pour vous sortir un gars. Es-tu? Ah, oh, ça vient bonne, Ginette. Oh, elle est bonne. Puis oh, elle mange. Ah, oh, oui. Ah, ça, elle mange. Et puis, elle a des menus très variés, Ginette. Ah, oh, oui, une poche de patates, un jambon, une brique de crème à glace. Trois poches de patates, quatre jambons, cinq briques de crème à glace. Non, elle a un appétit d'oiseau, Ginette. Hein? Un condor! Ça fait rien, j'aime mieux voir elle à la télévision que voir la programmation de Radio-Canada puis du Canal 10 des fois. Oh, ils sont le genre plat, là. Oui. Ils l'ont. Oui. Hein? À part La vie qui bat. Oh, t'aimes ça. Ouais. Ouais. Ah. Un documentaire sur les poissons. Ça, j'aille pas ça. Je compte les poissons, ça me distrait. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Bras dessus, ils nous ont enlevé ça. Oh, que ça, c'était bon. T'aimais une émission ça? Jeune. Oui. Wow. Ah, ben au Canal 10, ils ont fait partir Yves Christian aussi. Ah oui. Ça fait bien, ils sont pris avec Bon anniversaire. Ah oui. Ah, il y a moi et l'autre, tiens, que je déteste pas au Canal 2. Ah, j'ai pas ça, moi non ah, plus. J'aime ça. Moi, c'était dans cette émission-là, là, c'est la grande blonde que j'aime. C'est-tu drôle, moi, c'est la petite brune? Ouais. Ah oui. Ah, mais c'est dommage si on l'appelait Micheline. Oh, mon Dieu, Micheline, la mienne! Ben voyons donc. Et que je l'aime. Tu vas m'arrêter ah, ça. Tu sais qu'elle met dans une cage, hein? Ben voyons. Ah oui, quand c'est l'heure de son spectacle, elle écrit... Lâchez la lousse! La voix en courant, elle crie, elle chante, elle danse, elle fait des somersets, elle fume des cigarettes. Puis là, quand elle finit, là, ouh, elle rentre dans sa cage. Puis elle enferme la clé. Ouais. Puis à qui c'est qui donne la clé? À Jacques Normand. Ah bon? Puis quand t'es fine, là, il donne des petits carrés de sucre pis elle fait la belle. Il y a aussi Denise et puis Dodo qui parlent toujours des artistes dans leur dos. De nous aussi, on dit beaucoup de mal. Lisez tous les détails dans Ici Montréal. Wow! La la! Qu'est-ce qu'on prend dans ce petit journal-là? Bien, des fois, on apprend des affaires qu'on ne savait même pas. Oh, oh, la la. N'allez surtout pas répéter ça. C'est pas vrai. Entre vous autres et moi, c'est encore bien pire que ça. Hey, tu Denise, quand on avait fait un party jusqu'à 6h le matin, il y aurait... Tu vas, 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 t